Salut à tous les amis, on va continuer aujourd'hui notre aventure sur Godfall. On attaque la troisième partie et là on y va directement vers le lieu indiqué. Donc il y aura pas mal de choses à faire. Alors j'ai changé juste le personnage, hein. Vous avez vu, hein, je suis retourné un petit peu dans le dans la zone de là où il y a le dans la zone de, là où on doit, où il y a tous les autres quoi. La zone centrale, hein, entre guillemets, là où il y a la grande oracle. J'ai juste débloqué ce personnage. Enfin, débloqué. J'ai juste changé de personnage et voilà, on est réduit dans cette zone. Vous avez rien raté, vous inquiétez pas. Et j'ai changé aussi un petit peu d'arme, hein. J'attaque peut-être à l'épée, c'est pas plus mal. Ça a l'air sympa. Allez, on y va. Alors c'est une mission principale, hein. Aller directement vers la tour, hein. Qui est assez jolie, je trouve. On va monter tout en haut, je pense. Je pense qu'il faudra aller tout en haut, hein. De toute manière. Ah. Qu'est-ce qui s'y passe ? Ok. Très bien. La tour centrale. Allez. Putain, je me suis pas rendu compte. Pourquoi c'est en anglais d'ailleurs? Je regardais les trucs, mais je me dis, mais merde. C'est arrivé en anglais le bordel là. Bon, c'est pas grave. On voit à quoi ça ressemble l'anglais. Bon, j'avançais, je me dis, mais pourquoi c'est écrit en anglais? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, à la prochaine mission, on en remettra tout en français, hein, vous inquiétez pas. Ouais, là, on enchaîne. À mon avis, il y aura une horde d'ennemis qui va débarquer jusqu'en qu'on monte tout là-haut, quoi. Ok, donc là il faut utiliser le mirage, ok, 5 fois, d'accord, très bien. Enfin le mirage, pas le mirage, mais vous avez compris le dire. Les brisames. Voilà. Boum. Celui-là c'est pas facile à faire sur lui. Voilà. Il est galère, lui, avec son épée. Hein. Enfin, son espèce de hachette, là. À la mange. Boum. Allez, mange. Voilà. Boum. Parfait. Boum. Voilà, parfait. Allez, encore deux et c'est bon. Oh. J'en étais sûr. Allez, frappe. Bim. Mange. Hop là, on esquive. Boum. Voilà, parfait. Allez, viens, toi. Ok. Encore lui, là-bas, au fond. Allez, dégage. Boum. Hop là. Voilà, allez encore un et c'est bon. Nickel. Bon bah ça va. Pas très compliqué ce petit défi. Faut aller par où? Oh, y a encore un. Vas-y, frappe. Allez. Mange.
Allez. Voilà. Nickel. Faut tuer les derniers ennemis. Et normalement, c'est bon. Voilà. Bon, bah on reprend l'ascenseur du coup. Et on remonte plus haut. Macross is training his thoughts on you now. He thinks only of himself. And his enemies. Eh ben dis donc. Oh, elle est pas mal cette arme finalement. Je crois que je vais l'utiliser souvent celle-là. Allez. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Encore des ennemis. Bon, allez. Tac tac tac. Bon, parfait. Un petit coffre pour le fun. Voilà. Et on poursuit. Let's go. On va voir ce qu'il y a encore plus haut. The Water Realm. This place is ruled by the Abyssian Host. Be warned, Auron. The creatures in this realm will be out for blood. Your blood. Fighting is a warrior's purpose. Point me towards Lunara. Patience, Auron. You will have to overcome many ordeals before you can face that creature. Thank you.
Makros has put up a barrier around Lunara's lair. He doesn't waste any time. I'll break the barrier. I just need to know where it's coming from. The power source is located in the Tormentor's Asylum. Feels good to be free. No one in the Monolith is free. If this is captivity, I'll take it. Don't get comfortable. The hard part is yet to come. Of course. You can rely on me, Orin. Bon, allez, on va voir ce qu'on peut débloquer maintenant. Ici. Alors. Enfin, pas débloquer, mais améliorer, je veux dire. Alors, on va améliorer ça. On va améliorer le maximum avec l'épée et la machette. Enfin, la grande épée qu'on a, il est pas mal, je trouve. Hop. On va essayer d'augmenter au maximum sans trop dépenser non plus. On va essayer un petit peu de garder. Ouais. Ok. Évidemment. Ouais. Ouais, ça on va l'améliorer. On améliore. Ensuite, les amulettes. Off, les amplifications. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va améliorer ça. Voilà. On améliore. Parfait. Allez hop. On va me mettre à 40. Ok. Terminé. Ok, bon, on va faire ça du coup. Ok. Let's go. C'est reparti pour la suite de l'aventure. Voilà, on lâche la mission principale. Et j'ai remis en anglais. Hein. Enfin, j'ai mis en français, pardon. Ok, apparemment les créatures vont devenir un peu plus violents ici. I despise these things. Ah ouais, ils sont plus galères. Hein. Ils sont plus résistants ceux-là. En plus, c'est un nouveau bestiaire. Donc c'est pas mal. Ok. Nickel. On poursuit. Oula, des espèces de crabes là bizarres. Ils sont trop beaux, ils sont trop bien faits en plus. J'adore les couleurs. Je kiffe trop la couleur des trucs. Moi qui adore le bleu, ma couleur préférée, le bleu. Voilà, je suis satisfait de l'univers là. C'est trop beau. J'adore l'univers comme ça, un peu bleu. J'adore. Désolé du bruit. Bon, on va aller voir un petit coup là ce qu'il y a par là. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Et après, on reviendra dans la mission vite fait.
Ok. Oh, un petit coffre. Bah, heureusement que je suis venu par là. Hop là. Nickel. Rien de plus. Bon, pas parfait. On poursuit. On poursuit. J'adore l'univers, j'adore ces couleurs, ces trucs, c'est vraiment kiffant. Oula, il y a une grosse bestiole là. Oula, c'est quoi ça? On dirait un... comment on appelle ça, les espèces de pieuvres, serpents bizarres, comme ça. Ah ouais, il rigole pas, lui. Aïe! Ah ouais, d'accord. Allez, mort. Boum. Voilà, c'est bon. Ok. Très bien. Bon, bah nickel. On poursuit. Another seal. I can shatter it if you gather enough energy for me. We're in luck. There are rich ethereum sources close by. Ok, boum, on enchaîne. Ok, j'ai crevé. Je détruis tous les ennemis pour pouvoir attaquer l'espèce de petit crabe. Toujours pas, hein, je peux pas. Genre vraiment, j'ai des trucs de tuer tout le monde, quoi. C'est dingue. En plus, c'est pas un ennemi qui est super galère, hein. Voilà. Bon, maintenant, je peux l'attaquer, ce guignol. Boum. If you can defeat more of those creatures, I'll have enough energy to shatter the Ethereum seal. Allez, on poursuit. Ça, ok. Allez, encore une autre partie. Ouais, bah d'accord, il se protège. Et moi, je vais attaquer les grosses pierres. C'est des nouveaux ennemis, ça, je les connais pas.
Ils ont l'air mastoc, hein. Il fait peur, lui. Oh putain, son. Il est violent, lui. Il est gros dur, hein. C'est gros dur, ce gosse là. Allez, boum, casse-toi. Finalement, je préfère utiliser cette arme. C'est beaucoup plus facile. Il est un peu lent dans la façon de le faire. Mais si ça peut tuer plus d'ennemis et... Enfin, assez rapidement, on va dire. Les ennemis, c'est pas plus mal. Bon, allez, mange. Ouais, d'accord. Lui, il se protège encore. Ouais. Je sais qu'il y a l'autre derrière, mais bon. Aïe. Boum, toi là-bas. Putain, il tombe pas en plus, enfoiré. Hein. Allez. Boum, c'est bon, allez. On s'occupe du dernier, là. Niveau 13, parfait. Allez, dégage. Allez. Allez, vas-y. Mange ça. Casse-toi. Dégage. Ok. Bon, le petit crabe, maintenant, hop. J'adore les couleurs du crabe. Bleu, jaune, vert, c'est trop beau. Ok, d'accord. Bon, laisse-moi récupérer tout ce que j'ai à récupérer, après on verra. Allez, poursuivons. Bon, bah les ignorer, ceux-là, on va pas attaquer tout ce qui bouge non plus, parce que... Sinon, on est encore là demain. Il y a un bonus de statue à détruire. Bon, j'en ai eu un. Mais bon. Après, si j'ai l'occasion d'en tuer d'autres, je le fais. Sinon, ça changera pas grand chose au truc, je pense. Ok. Allez. Let's see what's inside. Ah. Qu'est-ce qu'ils ont là? Qu'est-ce qu'ils... Pourquoi ils bougent pas? Understood. Ah, d'accord. Bon, bah, je vais les tuer. Alors. Il y en a 16 au total, d'accord. On va tous les tuer avant qu'ils renaissent, quoi. Bah oui, j'en étais sûr qu'ils allaient revenir. Ah oula. Oulala. On va attaquer la grosse bébête d'abord. Je la retrouve plusieurs fois, ce genre de bestiole là. Comme ça, un espèce de serpent, sirène, un peu pieuvre. On le retrouve sur pas mal de jeux. Ce genre de bestiole. On le retrouve aussi dans Immortal Things Rising aussi. On avait déjà vu cette espèce de bestiole. Je vous invite à aller le voir, hein, il est sur la chaîne le jeu. J'ai surkiffé cette aventure. On enchaîne. Voilà. Parfait.
Et nickel. Bon. Il y a un d'autre à fouiller dans le coin. Non. Je sais pas si c'est une bonne idée d'aller là-bas. Mais bon. Boum. Ah, raté. Hop là. Ah, c'est bon. Allez, voilà une deuxième statue à détruire. Ça en fera 2 sur 5, mais bon. Allez. Il est vivant celui-là. Heureusement qu'il n'est pas vivant, parce que sinon, j'aurais galéré. Allez, encore 2-3 coups. Voilà, parfait. Et encore des grosses bébêtes à tuer. Ils sont figés, mais on va attaquer les plus gros d'abord. Celui-ci, d'abord. Lui, là-bas au fond. Allez. Voilà. On l'a tué avant qu'il revienne. C'est des petites bébêtes, hein. Ils sont pas très compliqués. Arrête de me jeter des trucs, toi. T'es pas bien, toi. Voilà. Allez, on a bientôt fini. Ah, le gros, là-bas. Elle est très, très efficace, cette arme. Je pense qu'on l'utilisera un peu plus souvent. Bon, allez. Bon. Allez, vite. Allez, encore 2. Parfait. Ah non, encore plusieurs que 2. Voilà, là, encore 2. Allez, et le dernier. Voilà. Oh, bah nickel. On a eu toute la zone. Parfait, parfait. On va débrouiller ce coffre, il y a déjà ça là-bas. Bon. Normalement, je peux ouvrir le coffre maintenant. Parfait. Ok. Des petits trucs en plus, ouais, non, pourquoi pas. Oula! Oula, une grosse bébête! Une grosse bébête! Boum! Ouh, il va se calmer lui. Allez! Allez! On va utiliser la grosse technique là pour attaquer. Ça fait pas mal de dégâts ça. Arrête tes tes flammes, s'il te plaît. Wow. Allez, viens. Boum. Boum. Essaye d'éviter d'aller dans les flammes, quand même. Allez. Il a une protection de fou, lui. Hein. On va prendre notre petite vie qui est là. Voilà. On l'évite. Parfait. Boum. Allez, enchaîne, 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 c'est le moment. Allez, bim. Boum, 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 boum. Et hop là, on est vite. Allez. Allez. Ah, c'est le moment, c'est le moment. Même si dans les flammes, c'est pas grave. Allez, on recule un petit peu quand même. Pour en abuser. Il a plein de vie qu'il a craché là. On les prend. Tac tac tac. Parfait. Ouch. Ça c'est pour la peine que tu m'as fait. Boum. Wow, 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 lâche-moi. Enfoiré.
pas grave, normalement on va l'avoir. Allez, allez, mange. Qu'est-ce que tu fais? Ah, encore ça? Bon, c'est pas pour... C'est pas grave, c'est pas grave. Normalement, on l'a fini avec encore quelques coups. Allez. Voilà, c'est bon. Il est dead, il est dead. Allez, encore, encore. Allez. Vas-y. Voilà, parfait. Bon, bah ça va. C'est pas si compliqué. J'ai eu peur d'avoir plus de difficultés que ça, mais ça va. Nickel. Bon. Ah, il faut détruire ça. Boum. Parfait, bah on retourne au relais. Donc c'est parti. On aura fini avec cette mission principale. Là, il faudra récupérer, je pense, encore des petites choses. Hein, pour affronter le boss suivant. Comment il s'appelle déjà? Lunara, je crois, ou Lurana, ou un truc comme ça. Il faudra faire des zones de chasse, hein, je pense. Pour voir un certain nombre de trucs. On to Lunara. Lunara, voilà. Ok. Très bien. The seventh sanctum. She's sick. The rites of ascension were not made to be used on a construct. There were bound to be side effects. She's a person. Yes, she thinks, she feels, but she's not a Valorian. We were made by the Archons to be their vessels. She was not. So the Ethereum, it could kill her. She knew the risks. But do not assume the worst yet, Orin. We don't know what will happen. The barrier is down. You are making good progress. And you're getting sicker. I'm on my journey. Same as you. It's the Earth Ethereum you took from Zamora. That's what's making you ill. Because you're not a Valorian. Perhaps. But that elemental Ethereum is the key. Without it, nothing else matters. So let's continue. Lunara, okay, Lunara. No longer has the protection of Makros's magical barrier. Okay, boy, but pas... it is still locked. To open it, you will need to gather more realm sigils. D'accord. Merci. Bon. Alors, voyons voir. Il y a une mission principale ici. Alors, il faut 5 sauts terrestres, enfin 10 sauts terrestres et 10 sauts aquatiques. Donc, il y a pas mal de choses à faire là. On va aller peut-être faire ça. Mon point de compétence, 4 sauts aquatiques, ce serait pas mal. Là, il y a 2 sauts aquatiques. Hein, hein. Ouais, 10 sauts aquatiques et 10 sauts terrestres. Ouais, je suis vraiment à presque rien, quoi. Il me manque 9 aquatiques et 10 terrestres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tac, tac, tac. On va faire plutôt ça, du coup. Ouais. Ouais, on va faire ça. Le repos du machin là. On va voir ce qu'on peut faire là-dessus. De toute façon, c'est une mission principale. Hein. Donc, allez au repos du Léviathan. Oh, okay. The Abyssians will not let us through easily. Ok, bon, on va faire ça. Et on va peut-être débloquer des petites choses. On va aller directement dans le tas. On va pas essayer d'affronter.
quoi que ce soit, sinon on est encore là demain. Je vais directement au truc. Parce que si on affronte chacun des ennemis, ça va faire une vidéo de 3 heures et j'ai pas envie quoi. On les élite, pardon. On va aller par là, pardonnez-moi, merci, au revoir. Non, je suis pas là, laisse-moi tranquille. C'est long, hein, quand même. Au revoir. Pour ça, c'est dommage qu'il n'y a pas de voyage rapide. On pourrait arriver directement sur place. Et hop là. Bon, là on est dedans, c'est bon. Là on pourra commencer à attaquer quelques ennemis. On va aller quand même un petit peu avant parce que là c'est des petits bébés. Ok. On est dedans. Oula, c'est quoi celui-là? Méduse? Méduse quoi? Ah oui, c'est la même mer ça. Violent là par contre. Hein. Ah oui, quand il disait c'était violent, c'est vraiment violent. Oh putain, ils sont durs. Hein. Oh, wow. Ouh, je sens que j'ai crevé là. Ouh, je sens que j'ai crevé là. Allez. Bouh. Il est pas encore dead. Hein. Allez, c'est bon, je l'ai eu. What? Ah oui, d'accord, il t'aveugle le bordel. Allez, casse-toi, c'est bon. Bim. Putain, il m'en envoie encore. Oh, allez. Allez. Je sais pas si j'arriverai à survivre à ça, mais... Ils m'ont déjà bien amoché. Allez, bon. Il y a encore quelques-uns ici. Ça, c'est des petits bébés, ça. Allez, mange. Ok. Et encore le dernier. Parfait. Ok. On continue. Et hop là. On va monter par là. Ça, je vais prendre. Oui, j'ai entendu, je sais. Ok. Vaincre les défenseurs habillés. Wow. D'accord, j'ai même pas eu le temps de lire. Allez, casse-toi. Bon, allez, mange. Bon, allez, mange. Boum. Ça, c'était rapide. Vite expédié. Allez. Bon, allez. Voilà, en 2 secondes, c'est réglé. We need to thin the Abyssian horde. Let's find their leaders. Head to the Twilight Beacon while I look for them. Aïe. Allez. Je t'ai vu toi à gauche, je crois pas que je t'ai pas vu. Allez. Parfait. Qu'est-ce que tu me tires dessus toi depuis tout à l'heure? Allez. Saleté. Je vérifie qu'il n'y a rien autour, c'est bon. Ok. Activé. Vaincre le premier chef. D'accord. Le premier chef, rien que ça. Il est où?
Il est là. Non? Abyssians petrify their captives. Non, c'est pas lui. And store them to be used later. A sad fate I wouldn't wish on anyone. Find the things. Très bien, on poursuit. Ah, cassez-vous, cassez-vous. Je vais pas vous affronter, foutez-moi la paix. Je vais affronter le chef, moi. Il est là, c'est lui. Ok. Ouais, c'était sûr, je voulais rentrer dans le tas, là, comme un barbare. Mais ça l'a pas fait. Boum. Boum. Et lui, le dernier. Je sais que c'est pas lui, hein, c'est le chef qui est derrière moi, là. J'attaque le petit, comme ça je suis tranquille. Allez, dégage. Allez, maintenant, face à face. Je vais rien aveugler, frère, hein, je te le dis. Allez, voilà, parfait. Très bien. Bon. Vaincre le chef suivant. D'accord. Moi, j'imagine qu'il y en a 3 au total. Logiquement. You are walking through old ruins. Ok, il est là, le sûr. Boum. Ah, j'ai pas pris la potion, j'ai pas pris la potion. Ah, c'était sûr. J'ai pas pris la petite potion. J'ai foncé dans le tas, j'ai oublié de prendre de... Enfin, de reculer et de reprendre un petit peu la potion, j'avais ça. Oh non, tu vois. Eh merde. Ouf. Ah ouais, d'accord. Ok. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Boum. Allez, mangez ça. Allez, dégage-toi. Allez. Oula. Allez. Casse-toi. Toi, je t'ai vu. Allez. Oui, oui, oui. C'est comme ça que tu m'éjectes. Ouais. Allez, mange ça. Allez, casse-toi. Boum. Bon. Très bien. Nickel. C'est bon. Le dernier chef, très bien. Allons voir le dernier chef. Let's go. Are you tired, Orin? Non, non, je suis pas fatigué, non, c'est juste que j'ai fait la merde. Il est de plus en plus relou, lui. Boum. Boum. Allez. Bon, allez, vas-y. Putain, il est plus galère, celui-là. Non, tu vas rien aveugler, frère, hein, je te le dis. Allez, enchaîne. Allez. Allez. C'est bon, parfait.
saoulé, toi, là, derrière. Boum. 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 Bon, allez. T'es relou, frère. Voilà. Il était relou, il voulait pas creuser, quoi. Oh, toi. Boum. Voilà, c'est réglé. Parfait, niveau 15. Bon. I'm going to get the treasure now. Ouh, le trésor. Je veux le trésor. Donne-moi le trésor. On va retourner voir le trésor et je pense qu'on aura fini. On aura fini cette petite mission. Oh, un coffre. Merci bien. Ok, une arme en plus, parfait. Ça fait plaisir. Oh là, des bestioles. Je vais vous éviter, les amis. Oui, va faire ton serpent ailleurs, s'il te plaît. Moi, je vais aller chercher mon gain. Et après, je me barre d'ici. Oh non, il faut encore tuer ces ennemis là, c'est une blague. Non, c'est pas grave. Oh quoi lui. Aïe. Ah, dégage toi. Ouais. Sûrement pas frérot. Donnez-moi mon cadeau, je veux mon cadeau. Allez, va te dégager. Voilà, parfait. Mange. Allez. Allez, dégage. Hop là. Boum. Ok. On va attaquer les roues. La grosse bébête là. Merde. Ils sont réveillés. Du coup, je peux plus attaquer l'autre. Parfait. C'est magnifique. C'est magnifique. J'ai crevé à la... pour rien. Allez. Boum. 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 Voilà. Parfait. Force irrésistible. Eh bien, dis donc. Allez, on va attaquer celui-là d'abord. Pas qu'il se réveille. Ouais, nickel. Il en reste encore 3. Bon, allez. Boum. Nickel, parfait. Allez, encore 2. Hop. 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 Voilà. Boum. Et le dernier. Boum. Parfait. Wow. Ah, il était caché derrière le trésor. Hé hé. Bon. Mais nickel. Alors, voyons voir ce que j'ai chopé. Ça, je prends. Ça, je prends. Un joli coffre tout bleu. Oh, 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 oh. Des armes, des machins, des amulettes, c'est magnifique. Des massettes en plus. Allez, un marteau. Hop là. Donne-moi tout ça. Ok. Bon. Bon, on a de quoi faire. Allez, mission principale terminée. Et on retourne vers le relais crépusculaire. Bon, allez,
Il y a des petites choses à faire dans cette partie. On va aller voir si on peut améliorer des petites choses intéressantes. Et il y a beaucoup de choses là. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ok. Bon, allez, maintenant on va voir ce qu'on peut faire directement sur la carte. Alors. Ok, là il y a terrestre, 5 sous-terrestres. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Allez, on va faire celui-ci, allez hop. On va réattaquer ce gros fou là. Ça nous permettra d'augmenter les sauts terrestres. Et je pense que on va bientôt s'arrêter là. On va faire peut-être deux missions de chasse comme ça. Et on se laissera pour le boss en question lors d'une prochaine vidéo, je pense.
Là, on va pas attaquer les petits ennemis, on va aller directement vers le boss, direct. Comme ça, on est sûr que on aura directement ce qu'il y a à faire, parce que si on attaque les petits boss et tous les minus, là, c'est bon. On va mettre 20 minutes. Donc, on attaque direct. Le combat lourd, ça, on l'a eu. C'était le tout premier boss d'aventure, celui-là. Je me rappelle très bien. Avec sa grosse massue, là. Bah, allez. On va l'avoir. Il n'y a pas de raison. Si on l'a eu une fois, on peut l'avoir une deuxième fois. Hein. Il va se calmer, celui-là. Hein. Allez, mange. Aïe. Allez, vas-y. Allez, on recule maintenant. On mange ça. Allez, saute. Non, il recule. Enfin, il avance. Aïe. On va essayer de prendre ça. Voilà, merci. Ouh, 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 attends, j'ai dû faire ça. Allez. Aou. Aïe. Boum et badaboum. Aïe. Oh, 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 tu voulais m'attraper, hein, petit fou, hein. Jamais tu m'attraperas. Oula. Allez, vas-y, vas-y. Aïe. Il est relou, hein. Mange. Allez, allez. Il est mode figé. Allez, vas-y. Boum. Boum. Et boum. 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 Aïe. Aïe, aïe. Je voulais reculer juste après, mais c'était trop tard. Oh non, 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 tu vas pas boire ta potion, hein. Bon, allez, mange, je m'en fous. Allez, vas-y. On recule. Voilà, c'est, là, il faut faire gaffe. Hein. On a bientôt terminé, mais il faut faire gaffe. Voilà. Boum. Et boum. Boum. Allez. Allez, on recule. Et boum. On va essayer de choper, si on peut, la petite vie. Voilà, parfait. On évite au maximum. Aïe, aïe, aïe. On l'a évité. Mais il nous a bien secoué. Ouh, non, tu m'auras pas. Allez. Allez, on l'a bientôt fini. Bon, allez. Tu veux un dernier coup, toi, dans ta tête, hein. Mange. Voilà, c'est bon. Ok. Bon, on va pas faire les trucs bonus là, sinon on est encore là demain. Voilà, parfait. Mission chasse terminée. Est-ce que je peux prendre le coffre? Je suis pas sûr. Là, il reste quelques secondes. Non, je peux pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On a récupéré pas mal de trucs. Pas mal. Allez, confirmé. Boum. Normalement, on a récupéré pas mal de choses. Allez, on va faire encore une petite mission rapidos de trucs. Alors, tac. Ouais, on en a fait 5. Très bien, bon, on va en faire encore un dernier. On va faire plutôt dans l'aquatique, du coup. Ou alors dans le terrestre, finalement. Comme ça, on fait directement le terrestre d'un coup. Ouais. On va faire dans le terrestre. Allez, hop, celui-là. Nickel. Ouh, c'est la grosse bébête, celui-là. Rancor Alpha. Parfait. On va aller direct dans le tas. Hein. Direct dans le tas avec lui. On va pas se casser la tête à faire les ennemis autour, hein, vous le savez. J'ai envie de faire une vidéo de 3 heures. Allez, elle est où la petite bébête? Enfin, la grosse bébête plutôt. Pardon, pardon, j'ai des choses à faire. Elle est là, la grosse bébête. Allez, c'est parti, mon petit kiki. Allez, comme c'est une bébête à quatre pattes, à mon avis, il va pas être très compliqué à battre. Non, ça va, on la moche bien. C'est pas visé avec ces petites cordes, celui-là.
allez. Vas-y. Enchaîne. Ça enlève pas mal de vie, là. C'est pas mal. On aurait déjà enlevé un tiers. Allez, mange. Ça va être du rapide, ça va être du rapide. Oula. Il attaque pas beaucoup, hein. En même temps, c'est pas plus mal, hein. Si on arrive à l'avoir, c'est pas plus mal. Il a déjà enlevé la moitié de sa vie. Hein. Ça va être assez rapide. Il m'envoie ses petits sbires là, mais bon. Je vais m'occuper plutôt sur la grosse bébête. Hein. Aïe aïe aïe. Il a réussi quand même à rattraper. Hein. Oh, pas mal. Pas mal cette technique. Aïe. Boum. Boum. Allez. Allez. Boum. Boum. Allez, viens ici. Allez, c'est bon, on l'a terminé. Voilà, boum. Parfait. Nickel. On en a eu 3 quand même avant des petits bonus, là. Parfait. Bon. Ben, voilà. Niveau 17, parfait. Je pense qu'on va s'arrêter à là, hein. On aura bien avancé et je pense que il y aura encore d'autres missions, hein, d'autres missions de chasse de ce style-là pour récupérer les autres sauts, parce que là on a fait que les sauts terrestres. Il nous manquera les sauts aquatiques et après je pense qu'on pourra attaquer directement le boss suivant, hein, je pense. Hein. Je crois que ça doit être ça. Tac tac tac. Ouais, voilà. Il nous manque 5 sauts aquatiques. Bon, on va s'arrêter à là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, évidemment. Et on se retrouvera pour la 4e partie de Godfall lors d'une prochaine vidéo, tout simplement. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye.